Mesdames et messieurs, Spater et télé. Bienvenue sur Pikini TV. Messieurs, quelles sont vos difficultés à Gawal ici? Problème de courant et là, la route avec l'eau, il n'y a pas. On a souffert sur ça. Ok, messieurs, quel appel peut-il lancer de la gouvernance actuelle pour vous aider? Ah, gouvernement, on vraiment mené béni, mené Gawal et de Gaulle. Ok, monsieur, mais dis ça en français. Ah, je ne peux pas parler en français. Lancez un appel au gouvernement de venir en aide pour vous. Tu dis que tu ne peux pas dire ça en français. Ah, mon ami, dis ça, il faut te forcer. Tu peux le dire. Ah. Mais c'est ce que moi je veux dire à la gouvernement. Hein? Mais c'est ce que moi je veux dire à la gouvernement. On dit le gouvernement, mon ami, le gouvernement. Il faut répéter. Moi je veux dire à la gouvernement de... Ah bon? Ok, continue. Continue, mon ami. Mais c'est ce que moi je veux dire à la gouvernement de nous aider d'avoir le route. Le... Madame et monsieur, bienvenue sur le flash d'info de Pikini TV. Madame et monsieur, la manifestation organisée par les syndicats de Pikini TV dans la sous-préfecture de Guémé-Soron, l'un de nos envoyés spéciaux a été attaqué par les forces de sécurité. Comment sont-ils produits? Expliquez-nous. Mais c'est de sécurité même qu'il apprend les cailloux pour m'en lancer. Pour... Allah! Selon toi, monsieur, quel est le rôle que les forces de sécurité doivent jouer envers nous, les citoyens guinéens? Quel est... Défendez! Tout à fait, monsieur. Ils sont censés de nous défendre. Sans toi, monsieur, ce que les forces de sécurité t'ont fait, tu as peur ou bien tu n'as pas peur? Super! Ok, monsieur. Comme la manifestation a été organisée par les politiciens, est-ce que si l'un de ces politiciens se présente aux élections présidentielles, tu peux voter pour eux? Je ne vote pas pour quelqu'un qui vient me fatiguer. Mais monsieur, il y a un candidat parmi ces politiciens qui aime la population guinéenne et qui aime surtout les jeunes guinéennes, comme Grampé. Grampé s'est présenté aux élections présidentielles, il a eu que je vous vois. Avec ça. Mais Grampé, toi aussi, ça c'est ton problème. Je dis à mon ami de voter pour toi parce que moi je sais que tu es l'un des candidats le plus aimé en Guinée. Et encore, je sais que tu peux changer l'image de la Guinée. Quoi? Tu n'as pas eu. But I can't help it. Ah non, grand-père, ne me parle pas comme ça. Ah! Mais toi aussi. Tu es fou à ta tête. Petit. Tu es fou à ta tête. Mais grand-père, toi, tu as quel problème avec moi? Toi, quand je te dis quelque chose, tu m'insultes. Même si pour te défendre encore, tu m'insultes. Mais ça c'est quoi maintenant? Toi, tu es pas pour qui? N'importe quoi ça, un petit moment doux, comme ça. Un grand père, fais beaucoup attention. Sinon, moi, je vais sur Badaï de Siao. Comme ça, à cause de ça, qu'à chaque fois que je te parle, tu m'insultes. Pour ça même, je vais le faire. Hein? Tu es fou à ta tête? Petit. Tu es fou à ta tête? Tout ça! Comment vous voyez ça? Quand je parle seulement à monsieur Grampé, il m'insulte. Il m'insulte seulement, comme je dis que je vais sur Madame Tiao pour ça. Donc, pas lui. Ok. Ah, mais honneur, vous savez quoi? Quand je parle seulement de Grampé, vous commencez à pleurer. Ok, c'est bon. Je ne veux plus vous demander maintenant à cause de Grampé. C'est bon. Même moi, je ne veux plus parler de Grampé. Merci beaucoup. Et monsieur, c'est ici ça se termine le flash d'info de Pikini TV. Merci à la famille de Pikini TV. Merci.